Bonjour, bonjour mes amis vierges. Voilà, je vous montre vos petites cartes. Alors mes amis vierges, on se retrouve donc pour votre taroscope du mois d'avril 2022. On va un peu aller voir les messages qui sont là donc pour vous. Ne prenez seulement ce qui vous touche, ce qui résonne en vous. Si tout vous parle, mes amis vierges, alors là, j'en serai très heureux, bien sûr. Mais sinon, faites la part des choses et vous dites, voilà, ça me parle, ça me convient, ça me parle pas, voilà. Vous voyez très bien ce que je veux dire, mes amis vierges. Et bien sûr, allez également consulter votre ascendant et votre lunaire pour complémenter justement les messages pour vous. Également, si le sentimental ne vous parle pas du tout, mes amis vierges, n'insistez pas. Allez voir donc le signe zodiaque dans votre planète Vénus. Vous allez sur Evozen thème astral et à ce moment-là donc vous aurez votre signe dans la planète Vénus. Comme ça vous pouvez donc complémenter un peu les messages pour vous. Vous ferez donc un petit package de tout ça afin de comprendre justement les messages pour vous. Voilà, on va y arriver. Alors mes amis, donc d'habitude, je ne fais pas trop de publicité, vous le savez, mais voilà, je vous parle quand même que j'ai un site internet. Si vous voulez venir vers moi pour des soins énergiques, que ce soit de chamanisme, mes amis, que ce soit pour une guidance, bien sûr aussi, personnalisée ou mission de vie, ou même libération énergétique, hein, voilà. Comme je fais le soin énergétique, je pouvais faire donc une guidance, pardon, ou une analyse énergétique, afin de voir ce qu'il faut encore travailler ou afin de vous libérer. Voilà. C'est comme ça que je dois le formuler pour vous, mes amis vierges. Hein. Et je vous annonce également que maintenant, donc, je veux bien faire des déplacements. J'ai tout le matériel qu'il me faut. Bien sûr, comprenez bien, mes amis, que de mon domicile, donc si par exemple vous êtes au sud de la France, ça ne sera pas évident pour moi. Il faut savoir que de mon domicile, il y a un minimum 2 heures de route, sans arrêt. Donc, aller-retour, ça me ferait une journée sur la route pour 2 heures de soins. Ce n'est pas évident. Donc, ça veut dire que je devrais rester logé quelque part, etc. Donc, comprenez bien que ce n'est pas évident du tout. Mais dans un certain périmètre, un certain rayon, vous voyez, le nord de la France, peut-être même jusqu'à limite Paris, allez, bref, vous voyez ce que je veux dire, ça pourrait peut-être encore le faire. Vous voyez, donc voilà, je suis prêt à me déplacer quand même à une certaine distance. Mais vous comprenez, comme je vous ai dit tantôt, au sud de la France, ça sera un peu difficile pour moi. Voilà. Bon, je pense que j'ai tout dit. Non, j'ai oublié quelque chose pour vous, mes amis. Pour les nouvelles personnes, abonnez-vous s'il vous plaît. Likez s'il vous plaît, ça fait toujours plaisir. Commentez également, j'adore vous lire, mes amis vierges, quand vous me laissez un commentaire. Et de partager, bien sûr, aussi, si vous le souhaitez. Voilà, mes amis vierges, je pense que maintenant, j'ai fait le tour. Trêve de blablabla et on y va. Alors, quels sont les messages pour vous, mes amis vierges, pour votre mois d'avril? Alors. Nous avons ceci pour vous. Je vais vous prendre également encore 3 cartes supplémentaires. Oh, pas mal, mes amis vierges. Eh bien, mes amis vierges, votre mois d'avril aussi s'annonce particulier. Je veux dire, par là, il y a quelque chose qui vous attend, en fait. Oui. Vous savez pourquoi je dis oui? Regardez, le dos de deck. Ça conclut, en fait, votre taroscope à ce moment-là. Enfin, dans ces quartiers, bien sûr. Voilà. Vous allez comprendre, mes amis vierges. Alors, vous êtes en train de monter ces escaliers,
Donc pour aller vers, je vais appeler ça, ce cerf, cette vitrine, mes amis, mais il y a quelque chose d'autre qui s'attend derrière. C'est comme si en fait vous êtes, j'osais pas dire prêt en fait, ou prête, allez voir un peu, si je peux m'exprimer ainsi pour vous, mes amis vierges, allez voir ailleurs ce qui se passe. En fait, vous jetez un peu dans l'inconnu, dans le sens, bon, je verrai bien ce qui se passe. En fait, vous sentez que vous êtes amené quelque part, poussé quelque part, et vous souhaitez un nouveau départ. Moi, je le ressens comme ça pour vous, mes amis vierges. Vous souhaitez ce nouveau départ, et peut-être qu'au début, vous vous disiez, bah, j'ose pas, ou, voyez, en fait, voilà, vous avez été un peu bloqué vous-même par vos doutes, pardon, par vos craintes, par vos peurs, et en fait, vous disiez, bah, est-ce que je vais vraiment y aller ou pas? Voilà, vous êtes en train de analyser toute une situation, c'est tout ce qui vous convient plus, et un pas en avant, deux pas en arrière, ou deux pas en avant, un pas en arrière. Vous voyez, les amis vierges, vous étiez un peu dans cette hésitation. Maintenant, on vous dit que vous allez vous reconnecter à votre masculin sacré pour y aller. Vous allez également, pour certains d'entre vous, retrouver un certain charisme, mes amis. Donc, si c'est pour vous, messieurs, vous allez retrouver ce charisme en vous, ce pouvoir en vous, pour aller de l'avant. Pour certains d'entre vous aussi, une certaine maturité pour aller de l'avant, mes amis, parce que vous avez fait ce travail sur vous. Et bien sûr, pour mesdames, vous allez donc retrouver en fait cette force, cette puissance pour y aller, parce que vous avez mis tout le temps pour en fait pour analyser une situation, que ce soit professionnelle, relationnelle, mes amis, ou autre, bien sûr. Et voilà. C'est comme si, en fait, j'ai envie de vous dire, vous avez trop longtemps attendu, parce que vous étiez trop de l'hésitation, et maintenant, vous y allez. Vous allez vous reconnecter à votre masculin sacré, et maintenant, vous allez dire, j'y vais. Coûte que coûte, et je verrai bien ce qui se passe. Voilà, c'est un peu se jeter dans l'inconnu, c'est un peu comme le fou, quoi, en fait, mes amis. Et voilà, vous allez récolter. En tout cas, vous souhaitez récolter maintenant. Vous êtes maintenant prêt à couper. Quelque chose, que ce soit donc encore une fois professionnel, mes amis, pour un changement de travail, relationnel, en fait, pour des personnes qui vous ne conviennent plus, pour aider de l'avant. Ce que vous souhaitez, mes amis vierges, c'est avancer. C'est avancer, c'est voyager peut-être même. Ça peut être donc aussi vous annoncer un déménagement vers un autre lieu, une autre ville, un autre département, voire un autre pays, mes amis. Mais vous êtes un peu maintenant dans. Vous vous permettez de nouveau, en fait, aussi à rêver. Parce qu'on voit ces bateaux, quand même, ben, ils volent. Bon, le jour que je vois voler un bateau, mes amis, je vais me demander si je rêve ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça veut me dire aussi, vous êtes prêt à mettre les voiles pour vous envoler. Mais vers vos rêves, vers vos désirs, mes amis. Vous allez mieux vous écouter maintenant, pour vous jeter à l'eau, pour vous jeter dans l'inconnu. Ou si vous avez mis les choses en place, ou que vous avez déjà en tête certainement un certain projet de là où vous voulez aller. Donc, ça peut être encore une fois un lieu, une destination, mes amis. Ça peut être aussi un travail ou une personne. Si vous avez une personne dans votre cœur, là vous allez vous dire j'y vais. Ça, on va voir donc bien sûr plus tard dans votre sentimental, mes amis, si cela vous parle. Mais voilà, il y a quelque chose qui va démarrer pour vous, ou vous souhaitez ce démarrage. Vous souhaitez, mes amis vierges, ce renouveau pour vous. Donc, que dire de plus? Et quand je vois ce dodec, mes amis, le soleil, et croyez-le ou pas, mes amis, regardez. Ça annonce un départ, mes amis, vous allez vous envoler, hein. Parce que vous voyez, quand je vois ces deux belles oiseaux, ben, ils se réveillent. Il s'étire, le soleil s'élève, allez, on y va. Vous voyez, c'est vraiment ça, mes amis. Voilà, mes amis vierges. Alors, on va aller voir donc maintenant avec l'autre tarot les autres messages pour vous.
stress. Oui, mes amis, l'intuition, vous allez voir au-delà maintenant. Oui, vous êtes prêtes ou prêtes, mes amis vierges, hein. Il y a quelque chose qui va vous pousser à y aller, hein. L'as de bâton. Ouais, vous êtes décidés, mes amis vierges. Le 5 de denier. Et le 6 de d'épée. Mes amis vierges. Ok. Oh! Mes amis vierges, je vous montre le dos de deck. Hein. Le 2 de coupe, mes amis. Bon. Le 2 de coupe, c'est voilà, stabilité émotionnelle, relationnelle, mais aussi, bien sûr, voilà, quelque chose qui vous satisfait. En règle générale, mes amis, ça peut être dans tous les domaines. Alors, c'est comme si on mène. En fait, mes amis vierges, voilà, j'y reviens. Vous avez vraiment analysé. Vous vous êtes mis dans les questionnements, etc. Et maintenant, vous êtes prêt à vous écouter vers ce que vous souhaitez. Vous allez voir au-delà du voile, mes amis. C'est comme si en fait quelque chose vous bloquait encore ou que vous empêchiez en fait de partir. Peut-être aussi une libération karmique, mes amis. Et quelque chose qui vous empêchait encore d'avancer. Et vous avez fait ce travail en fait sur vous pour vous libérer encore de quelque chose qui vous bloquait. Donc, ça peut être un travail énergétique, mes amis. Ça peut être une transgénérationnel, ça peut être karmique, etc., 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 mes amis. Et maintenant, donc, vous êtes décidés, mes amis. Ou, en tout cas, vous allez prendre cette décision, pardon, d'y aller. Vous voyez, le feu va ressurgir, le soleil va revenir vers vous, mes amis. Vous êtes prêts à vous envoler. Encore une fois, il y a des ailes, il y a le dragon qui déploie ses ailes, mes amis. Il est prêt à s'élancer, hein. Et ça, c'est bien sûr, ben voilà, la lumière, quelque chose qui va briller, la direction, bref. Mais vous êtes prêt, mes amis, à planter ce bâton vers ce que vous souhaitez. Encore une fois, dites-moi dans quel domaine ça vous parle, mes amis. Mais c'est, j'entends le mot pour vous en anglais, let's go. On y va maintenant. Voilà. Vous allez en fait mieux vous écouter. Parce que voilà, vous êtes aussi des êtres intuitifs, bien sûr, mais vous êtes reconnectés à vous, mais surtout à vos intuitions. Et vous êtes prêts, mes amis. Encore une fois, vous voyez, quand je vois quand même ces chouettes ou cet hibou, bref, il s'élance, il est prêt à se lancer. Parce qu'il, voilà, c'est quand même un oiseau, oui, un oiseau qui sait quand même voir dans l'obscurité. C'est un oiseau qui peut voir assez loin, qui perçoit bien les choses. Que ce soit dans la journée ou la nuit, mes amis. Et peut-être que certains d'entre vous, justement, vous avez fait tout ce travail, tout cet analyse, mais aux profondeurs, mes amis, de vous-même, également de vos côtés sombres, vos parts d'ombre, en fait. Et maintenant, vous allez rejaillir tout ça parce que vous avez travaillé là-dessus. Et vous allez y aller, mes amis, voyez. Vous allez vraiment vers votre destination, c'est quelque chose qui vous appelle, en tout cas. Voilà. Si vous ressentez ça au fond de vous, mes amis, c'est que maintenant, peut-être que vous avez encore besoin de quelques réponses ou de quelques détails, mais vous êtes, Madavril, mes amis, dites-le-moi, mais il y a quelque chose qui va vous tomber dessus pour dire j'y vais. En tout cas, vous le souhaitez, vous l'avez peut-être demandé, vous avez travaillé là-dessus aussi, mes amis. Et on vous dit, voyez, cette période de stagnation, pour certains d'entre vous, peut-être aussi, voilà, problèmes financiers, etc. Mais on vous dit que ça va être fini. Ça va être fini, mes amis. Vous allez trouver des solutions pour vous en sortir. J'allais vous dire, mes amis, vous allez vous démerder, justement. Voilà. J'avais envie de le dire pour vous, mes amis vierges. Vous allez vous décarcasser pour vous sortir de ce pétrin. Vous allez sortir de quelque chose, mes amis. Vous me direz, hein. Mais ça, c'est le 5 de denier. Donc, moi, ça me dirait problème financier, par exemple, hein, ou une profession qui vous convenait plus, ou qui vous rapportait pas partie d'argent, par exemple. Vous voyez? Donc,
Dites-le-moi dans quelle situation vous êtes, mes amis. Si vous le souhaitez, bien sûr, je ne force personne. Mais voilà, il y a quelque chose en fait que vous allez sortir de vous, vous dites non, maintenant c'est bon, et vous allez vous laisser naviguer, mes amis. Vous voyez? Vous allez vous laisser porter par le courant, vous allez naviguer avec vos émotions. Comme je vois ce beau dessin, vous voyez? Cette dame est sur un bateau, il y a les épées, mais elle passe à travers. Mais sans se soucier. Elle y va. Elle ne sait pas ce qu'elle va atterrir, ou peut-être que si, justement. Mais elle y va. Voilà. Elle a pris cette décision, elle y va. Elle se laisse porter par le courant. Et vous allez vers ces deux coupes, mes amis. Donc, ça va vous équilibrer émotionnellement. Donc, bien sûr, si vous sortez d'un souci financier, bien sûr, vous sentez mieux des émotions. Si maintenant vous faites enfin une profession qui vous plaît, bien sûr que vous allez sentir mieux des émotions. Si vous trouvez enfin votre destination, votre lieu de vie, voilà, que ce soit l'endroit ou votre maison de vos rêves, par exemple, là où vous sentiez bien sûr que vous sentiez mieux dans vos émotions. Si vous trouvez enfin la personne qui va vous apporter la joie de votre cœur, dans votre âme, bien sûr, vous sentirez mieux, mes amis. Voyez? Voilà, j'ai donné quelques exemples, donc prenez vraiment ce qui vous parle. Évidemment, je vous souhaite tout le package aussi, hein, mes amis. Mais voilà, il y a quelque chose qui. Voilà. Vous allez finaliser quelque chose pour y arriver, mes amis. En tout cas, vous sentez cet appel de l'âme pour vous, mes amis. Cas, je vous le souhaite, mes amis vierges. Mais voilà, je sens que vous réjaillez en fait. Non, je sais plus comment on dit. Bref, voilà, vous allez revivre en fait. Voilà, vous voulez revivre, reprendre de la force pour avancer, mes amis. Coûte que coûte. Nous avons la gardienne protectrice. Laissez tomber vos défenses. Voyez? C'est peut-être ça votre blocage, mes amis. Donc, dans le passé, entre guillemets. C'est qu'en fait, voilà, vous vous protégez de trop. Donc, entre guillemets, un peu l'auto-sabotage. C'est-à-dire que, ben, un pas en avant, deux pas en arrière. Oui, mais est-ce que c'est vraiment ça pour moi? Oui, mais est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Etc. Voilà, vous ressentiez des choses, mais vous n'osiez pas passer les caps, mes amis. Et je pense que mois d'avril, c'est vous allez appuyer sur ce beau bouton, disons, j'y vais, j'ouvre les portes. Parce que vous en avez besoin, vous êtes attiré par quelque chose, mes amis. Un peu de trop. J'ai envie de parler avec les cartes chez vous, mes amis vierges. Mais voilà. Donc maintenant, on vous dit, écoutez-vous, vous pouvez laisser tomber vos défenses, vos craintes, vos doutes, vos peurs. Si vous sentez dans vos énergies que c'est là que vous devez aller ou ce que vous souhaitez, allez-y. N'ayez pas peur. Allez-y, mes amis. Mes amis. J'ai envie de vous remontrer, mes amis. Voilà. Regardez. Grande prêtresse. La grande prêtresse. Si ce n'est pas une évidence pour vous, mes amis vierges, je ne comprends plus rien. Donc, on vous dit, donc, cette carte vous dit, maîtrisez le pouvoir mystique. Donc, pour ceux d'entre vous, bien sûr, qui ont dit don, vous êtes prêts à l'accueillir et à l'utiliser, mes amis. Donc, bien sûr, pour l'autrui, hein, et à d'autres personnes. Donc certains d'entre vous sont peut-être des guides, sont peut-être dans des rituels, ont des pouvoirs en eux, bref, etc., etc. Thérapeute, tout ce que vous voulez, mes amis. Mais voilà, vous allez maîtriser en fait ce pouvoir mystique qui est en vous, mais pour vous, mes amis, et également pour prendre des bonnes décisions. Une fois pour toutes, n'est-ce pas? Et donc. Oui, vous êtes prêt en fait. Vous êtes prêt à vous écouter, à vous lancer dans quelque chose, vers quelque chose qui vous attire. Donc, encore une fois, ça peut être ce qui vous parle, mes amis, hein. Lieu, destination, pays, emploi, personne, bref.
Quelque chose me dit, mes amis, Vierge en mois d'avril, que vous allez prendre des grandes décisions pour vous. Vous me direz, mes amis, mais voilà. Vous allez retrouver votre pouvoir aussi, justement. Mais dans la bienveillance, bien sûr, mes amis. Mais ça, vous le savez déjà. Vous le sentez en vous, au fond de vous, que ça va vous faire du bien, justement. Ces décisions vers ce que vous souhaitez réellement, mes amis vierges. Alors, quels sont les autres messages pour vous, mes amis vierges? Nous allons construire, donc vous allez construire quelque chose, mes amis. Même si que dans le temps vous étiez pas, vous sentiez pas prête en fait, vous dites ouais non je sais pas peut-être etc. Là on vous dit que le mois d'avril c'est le mois de l'action, hein, mes amis vierges. Vous devez vous mettre en route. Il y a pas d'autre solution en fait, je dirais, pour vous, mes amis vierges. Ça parlera qu'à certains, bien sûr, ceux qui sont déjà bien là où ils sont. Ben, ça sera alors dans notre domaine, je dirais plutôt professionnel, bien sûr, alors à ce moment-là. Hein. Mais oui, vous voyez, et la fraternité. Donc ça veut dire par moi, pour moi, bien sûr, mais ça veut dire pour vous, mes amis, que justement, vous allez retrouver cette fraternité, justement, avec vous-même, mais aussi pouvoir le partager aux autres. Vous voyez, moi j'aime bien utiliser en fait l'amour universel, par exemple, hein, l'amour inconditionnel, mais c'est d'abord avec vous-même, mes amis, parce que justement vous allez maintenant pouvoir construire quelque chose pour vous, et en fait vous pouvez le partager à ce moment-là aussi, mais vous serez dans cette fraternité, dans cette joie, dans cette extase même, ben, pourquoi pas, mes amis. Mais voilà, il y a quelque chose qui va va ou doit vous apaiser. Je vais le dire comme ça. Et quand je vois le dodec, mes amis, il y a quand même la confiance pour vous. Et ce n'est que pour votre taroscope, mes amis, pour le mois d'avril, que j'utilise le dodec. Hein. Pour les autres signes, j'utilise les cartes, etc. Mais je ne montre pas le dodec. Pour vous, je ressens que je dois vous montrer ce dodec, justement. Et le dodec, ben voilà, il est marqué confiance. Et donc, vous allez rebriller, vous allez retrouver votre soleil. Vous allez être vers le soleil, mes amis, je vous le souhaite. Et quand on voit cette dame, vous voyez, c'est comme un beau papillon. Hein. Donc, vous allez vers votre transformation. Hein. C'est juste magnifique, mes amis vierges. Oui, vous allez remettre de couleurs dans votre vie. Hein. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Et maintenant, vous allez, si je peux me permettre, vous battre pour cela. Vous allez vous décider de construire quelque chose maintenant pour vous, afin de vous sentir beaucoup mieux et de pouvoir le partager, bien sûr, aussi par la suite. Pourquoi pas, mes amis vierges? C'est beau. Alors, mes amis vierges, donc maintenant, nous allons voir le côté sentimental. Encore une fois, si rien ne vous parle, mes amis, allez voir donc votre signe zodiaque dans la planète Vénus. Je vais commencer par les couples et puis je vais donc interpréter les célibataires avec la même carte. Alors, mes amis vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc d'abord pour les couples. Oh. Atmosphère chaleureuse, mes amis, et détendue. Vous voyez, votre mois d'avril, mes amis, c'est ça. Hein, vous allez vers votre abondance. En tout cas, ce que vous souhaitez, vous voulez être beaucoup plus détendu. Bon, après un petit cœur blessé. Nous avons, voilà. Vous allez retrouver la sagesse et le bon raisonnement, mes amis. Donc, mes amis vierges, ça va aller, hein, vous voyez. Vous allez vraiment vous reconstruire aussi. Hein. Alors. Oui. Voilà.
Mes amis vierges en couple. Donc, il y a donc une décision que vous allez prendre, avec votre autre certainement, et ça va vous faire, vous mettre dans une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, bien sûr, pour mes amis vierges en couple, c'est une décision que vous allez prendre à deux. Et voyez, on parle bien des vierges. Regardez, vierges. Donc ça vous concerne à vous, mes amis. Pardon. Donc ça vous concerne à vous. Bon, peut-être dans votre thème astral, il y a Cancer et Lion, ou peut-être la personne en face de vous. Qui sait? Mais ça vous concerne vraiment. Vous voyez, quand je vois vierge, donc on vous dit que si vous prenez les bonnes décisions maintenant, avec votre autre, pour, par exemple, travailler ensemble, pour partir ailleurs. Parce que là où vous êtes, vous en avez ras-le-bol, ras-le-casquette, ça vous convient plus, etc. Si vous prenez maintenant cette bonne décision, on va dire pendant le mois d'avril, pour construire quelque chose, etc., on vous dit que ça va se passer. Voilà. Parce que voilà, vous avez peut-être de mauvais souvenirs, peut-être le cœur blessé dans cette maison, etc., etc. Hein, je ne vais pas éterniser là-dessus, mes amis. Hein. Mon rôle n'est pas de remuer, évidemment, le passé, mais voilà, je termine là-dessus. Il y a eu des blessures, point. Et en fait, voilà, grâce à cette décision avec cette personne, grâce justement que maintenant vous vous dites non, non, maintenant on doit y aller, c'est bon, hein, ou j'ai envie de maintenant de travailler avec mon autre, etc., ou j'ai envie de déménager avec mon autre, coûte que coûte, j'en ai marre de rester faire du sur place ici, voilà. On va dire que vous allez retrouver votre sagesse et en fait votre bon raisonnement. Vous voyez, vous allez reconnecter en vous-même. Bon, ok, maintenant, je me suis mieux écouté, maintenant j'y vais. Et on vous dit, j'ai envie de vous dire, mes amis, ciao, ciao, on y va. Arrivederci, bye. Vous voyez, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose de nouveau qui va venir vers vous, mes amis. Donc un nouveau projet. Peut-être que certains d'entre vous, et je vous le souhaite également, mais mesdames, pour ceux évidemment, que ça peut encore arriver, peut-être qu'il y a un petit bébé qui est en route. Ou, et justement, vous voulez déménager parce qu'il n'y a pas assez de place, ou vous dites, non, non, je suis enceinte, mais je veux pas que mon enfant soit né ici, dans cette maison, ou grandisse dans cette maison. Ou, vous voulez déménager dans une maison avec une chambre en plus, puisque vous voulez avoir un enfant ensemble. Ça peut me dire cela aussi pour vous, madame, bien sûr. Mais pour d'autres personnes, donc mes amis vierges en couple, vous voulez en fait déménager, vous voulez partir et peut-être même travailler avec l'autre. Peut-être que vous voulez combiner tout cela en disant, ben voilà, dans une autre maison, on pourrait travailler ensemble, chacun de son côté, même parfois ensemble. Enfin, vous voyez, voilà. Il y a peut-être un peu tout ça qui vous bouscule, mes amis vierges. Et en fait, mois d'avril, ça va être ok, on y va. Alors, tantôt, je vous ai dit, let's go, on y va, on part. C'est peut-être cela pour vous, mes amis vierges. Vous me direz un commentaire. Hein. Mais il y a quelque chose comme ça qui se plane. Et quand je dis qui plane, voyez, encore une fois les cigognes, mes amis. Là, tantôt, on a eu les deux cigognes aussi. Hein. Rappelez-vous. Pour mes amis célibataires, on me dit que, justement, vous vous retrouvez avec vous. Vous vous ressentez de nouveau capable d'être détendu et chaleureux avec vous. Donc, vous vous reconnectez à vous-même. Vous retrouvez votre lumière. Vous vous aimez à nouveau. Vous-même d'abord. Après, un petit cœur blessé. Voilà. Je m'arrête là aussi, mes amis vierges, célibataires. Et pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez su récupérer vos énergies, vous avez su vous réaligner, vous rééquilibrer, et vous êtes de nouveau dans la sagesse et dans le bon raisonnement. En vous disant, ben, ça arrivera, c'est pas grave. Voilà. J'ai appris, j'ai vécu, maintenant c'est bon, je suis bien avec moi-même, je suis aligné avec moi-même, et maintenant, je suis prêt à m'envoler vers d'autres lieux, d'autres cultures, d'autres projets, peut-être aussi. Peut-être que vous allez justement partir pour un autre travail, ou vous allez mettre en place quelque chose qui vous convient à vous, mes amis célibataires. Vous êtes prêt à déménager, vous êtes prêt à partir vers quelque chose peut-être d'inconnu. Peut-être que vous avez peur, mais voilà, peut-être que on vous a appelé, on vous a écrit, et peut-être que vous n'osiez pas vous lancer. Ou peut-être aussi, peut-être qu'à distance, vous êtes en communication avec quelqu'un et on vous dit, ben oui, vous pouvez y aller. Si vous ressentez dans vos énergies que c'est cette personne qui vous convient, mais que si vous faisiez peur de franchir ce cap,
pourquoi pas mes amis vierges. Et regardez, j'utilise ce cours, que ce soit couple ou mes amis célibataires, voilà. Je vous promets, je ne vais pas regarder le dos de deck. À nouveau, je vous montre le dos de deck pour vous, mes amis vierges. Attraction mutuelle. En fait, vous pouvez pas y échapper, quoi. Je veux dire comme ça, mes amis vierges. Vous êtes appelés à quelque chose, à faire avec le cœur, mais aussi vers quelqu'un que vous êtes destiné, mes amis. Pour les couples, ben oui, vous sentez que c'est lui ou elle, et que vous dites, ben oui, voilà, c'est l'amour de ma vie. Pour les célibataires, justement, je vous dis également, peut-être que si maintenant vous êtes en communication avec quelqu'un, mais voilà, cette personne à distance, ou même s'il n'est pas loin de chez vous, mais voilà, vous hésitiez, c'est si vous ressentez que vous êtes appelé tout le temps par cette personne, dites-vous que c'est la bonne personne, mes amis. Alors, les autres messages pour vous, mes amis vierges. Je vous ai dit, hein, justement, dans votre début de votre horoscope, vous êtes prêt à vous lancer dans l'inconnu, en fait. Hein. Voilà, on a vu cette petite fontaine, donc ça veut dire aussi ben, les émotions. Peut-être que vous n'acceptiez pas vraiment les émotions, vos ressentis. Et en fait, on voit cet escalier, cette verrerie, allez, ce cerf. Et derrière, ben, il y a ce beau paysage. Et je pense que là, vous êtes prêts à y aller, mes amis. J'en ai pratiquement cogné mon micro. Vous voyez, tellement que je fais des grands gestes pour vous. Oh, mes amis vierges. Wow. Ah, ça fait plaisir quand je vois ces cartes-là pour vous. Oui. Honnêtement, ça me fait très plaisir pour vous. Alors, je vais comprendre une quatrième pour vous, comme j'en ai pris quatre là tantôt. Non, ok, non. Je ressens pas le besoin du coup. Bon, voilà. Alors, vous voyez, ce mois d'avril est un mois de chance pour vous, mes amis. Nous avons quand même ces quatre de trèfle. Il y a quelque chose qui va vous arriver, mes amis. En fait, que vous le sentez déjà, en fait, que ça va arriver. Vous êtes dans une période de chance aussi, on va dire. Donc, où ça sera une chance. Si maintenant vous prenez cette décision, par exemple, par exemple, de vous lancer dans ce nouveau projet, ce nouveau travail, cette nouvelle relation ou ce déménagement, etc., 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 mes amis. Si vous prenez cette décision, mes amis, et pour vous, je pense que mes amis vierges, ce sera important pendant ce mois d'avril. Si vous prenez cette décision, voyez, en fait, l'harmonie va revenir. Va revenir, pardon. On parle également de sexualité, bien sûr. Bien sûr, si vous êtes avec votre partenaire, ben voilà, on veut dire que voilà, on ne veut pas faire des dessins, ça va revenir. Donc, cette osmose, ce partage, etc., mes amis. Voilà. Parce que vous avez su patienter, mes amis. Vous êtes resté dans la patience. Donc maintenant, vous êtes prêt à accueillir ce trèfle, madame. J'ai des quatre feuilles. Hein. Donc cette chance, elle est là. Elle arrive à votre porte. Donc il suffit de la franchir maintenant. Et vous le sentez au bout de vous. Que voilà, il y a quelque chose que vous devez peut-être encore activer ou faire pour en fait aller vers ce bonheur, mes amis. Donc pour mes amis en couple, ça veut dire que voilà, il y a une chance qui va venir vers vous. Et vous allez vous retrouver, enfin, grâce à cette décision, vous allez vous retrouver à deux. Parce qu'en fait, voilà, vous avez dit, ah oui, quand même. Là, on va prendre les bonnes décisions pour nous pour avancer. Coûte que coûte. Parce que vous avez su patienter, mes amis. Cette opportunité va arriver pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. Pour mes amis célibataires. Encore une fois, vous avez fait tout ce travail sur vous et maintenant vous êtes dans une période de chance, d'opportunité en fait pour rencontrer la bonne personne. Ou comme je vous dis là tantôt, vous êtes déjà en fait en contact avec quelqu'un à distance ou pas trop loin de chez vous et peut-être que vous hésitiez, mais vous dites ouais, mais quand même, je ressens quelque chose pour cette personne. Je suis tellement attiré par cette personne que
Je voudrais vraiment être avec lui ou avec elle. Et on vous dit oui, vous pouvez y aller parce que vous avez su, en fait, analyser. Je vous ai dit, donc justement, au début de votre horoscope, vous avez su rester dans la patience. Vous n'êtes pas jeté corps et âme dans quelque chose que. Voilà. Comment on veut dire? Vous n'êtes pas jeté oui, corps et âme directement dans les bras de quelqu'un d'autre, on va dire. Voilà. Vous avez su rester dans la patience et analyser, etc. Et maintenant, vous avez. Donc, tout ce travail sur vous, vous dites, ah oui, maintenant, quand même, oui, je ressens quand même. Mais je ressens que c'est mon cœur qui parle et mon âme. Donc, c'est beau, mes amis, hein, aussi, vierge célibataire. Donc, on vous dit, oui, voilà, c'est une chance. Donc, lancez-vous. Jetez-vous à l'eau. Écoutez vos émotions, etc., mes amis. Hein. Alors, nous allons donc terminer votre taroscope, donc côté sentimental. Mais ces cartes peuvent également préciser donc votre taroscope en général juste avant, mes amis. De toute façon, voilà, ça va de pair. Alors, pour mes amis vierges. Nous avons relation. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose en relation, mes amis. Donc vous sentez que vous êtes vraiment attiré par quelqu'un. Et ça vous met dans des émotions, dans des états pas possibles. Mes amis, tantôt je vous ai parlé des portes. Il y a une nouvelle porte ou une nouvelle porte qui va venir vers vous. Donc franchissez-la. C'est incroyable, incroyable. Donc, ça veut bien dire, mes amis, que bien sûr, peinture maintenant, pourquoi pas dire. Ah, peut-être que certains d'entre vous sont des artistes. Hein. Bref. Donc, je veux dire par là, mes amis vierges, bien sûr, vous voyez, si on reste dans le sentimental, il y a bien une relation déjà existante. Et en fait, maintenant, voilà, vous vous laissez naviguer. Comme je vous dis là tantôt, par vos émotions, par votre cœur, par votre âme, pour justement construire quelque chose de nouveau avec cette personne. Vous allez franchir cette porte, mes amis. Vierge en couple, par exemple. Vous voyez? Parce que maintenant, vous dites, non, maintenant, je prends cette décision. Il faut qu'on y aille à deux maintenant. Par exemple, si comme on vous dit là tantôt, si vous voulez un bébé, ben, voilà, c'est peut-être ça aussi votre projet, bien sûr, hein, ce nouveau cap. Par exemple aussi un déménagement, un travail à deux. Bref, ressentez au plus profond de vous ce qui vous parle, mes amis. Hein. Bien sûr, pour mes amis célibataires, voilà, donc je vous ai dit, soit il y a déjà quelqu'un dans vos énergies, vous le sentez très fort, maintenant on vous dit oui, ça sera une belle relation, mais vous devez franchir ce cap. Franchissez-moi cette seuil de la porte, mes amis, pour aller vers cette personne qui va vous apporter donc beaucoup de joie et de bonheur. D'amour, bien sûr, aussi mes amis vierges. Et je vous le souhaite. Maintenant, c'est ça en général, mes amis. Donc, ça veut dire par là que vous êtes nouveau en relation avec vous-même. Vous êtes dans l'acceptation de vous-même. Vous êtes nouveau dans l'amour universel, mais pour vous, mes amis. Et vous allez franchir ce cap. Hein. Vous allez sauter dans l'inconnu pour un nouveau travail, un nouveau projet, une relation, etc. Pour prendre les bonnes décisions, mes amis. Donc, ça peut être déménagement, nouveau lieu de vie. Être l'étranger, etc., etc. Vous me direz, mes amis vierges. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous. Donc je vais terminer là-dessus, mes amis. J'ai qu'une chose à dire encore pour vous, pour terminer. Franchissez cette porte. Allez-y. Écoutez votre cœur et votre âme. Voilà, mes amis vierges. J'espère que tout cela vous a parlé. Laissez-le-moi un commentaire aussi, s'il vous plaît. Abonnez-vous, c'est bien sûr pour les nouvelles personnes qui regardent notre chaîne. Likez également et bien sûr partagez-le si vous le souhaitez. Je vous dis à très bientôt avec d'autres guidances et autres sons, tambours, etc. mes amis. Et je vous dis eh ben, à très bientôt, mes amis vierges.